Dans le département de Pointe-Noire, une cérémonie de sensibilisation sur l'importance de la statistique a été organisée dans la salle du 28 novembre 1958 sous la houlette du préfet Alexandre Honoré Paca en présence de la directrice en charge de la statistique. C'est par une conférence-débat entre l'Institut national de la statistique, les directions départementales et les entreprises productrices d'informations statistiques que la 32e édition de la Journée africaine de la statistique a été organisée ce 18 novembre à Pointe-Noire. Conférence-débat placée sous l'autorité de Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire. Au nom de Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur Alexandre Honoré Paca, profitez de cette circonstance pour exprimer mes sincères et vifs remerciements à la Direction générale de l'Institut national de la statistique INES, qui, par cette marque d'attention, inscrit notre département dans l'histoire du développement de la statistique au Congo. Dans son mot de circonstance, la directrice départementale de la statistique de Pointe-Noire a rappelé les objectifs de cette journée. Les principaux objectifs de la célébration de la Journée africaine de la statistique sont les suivants. Mieux faire connaître les statistiques officielles, leur disponibilité et leur accessibilité. Créer un espace de dialogue entre les producteurs et utilisateurs des statistiques officielles. Faire participer les secteurs publics et privés à la production, à la diffusion et à l'utilisation des statistiques administratives et officielles. Renforcer la qualité des universitaires, des autorités locales et des médias d'accéder aux statistiques officielles et de les utiliser pour la prise de décision et la publication des rapports fondés sur des preuves. Disposer d'un appareil statistique performant et fiable demeure plus que jamais une nécessité. La nécessité de disposer d'un appareil statistique performant et fiable est plus qu'impérieuse et elle permet de mesurer régulièrement les performances enregistrées au niveau départemental dans le cadre de l'exécution du programme du gouvernement de la République, inspiré du projet de société de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ensemble poursuivons la marche. Les attentes de cette conférence débat ne peuvent qu'être significatives, a martelé Jean-Charles Ondonda. Nous fondons un grand espoir sur cette conférence débat pour redresser la situation actuelle de la production des données statistiques au niveau de notre département afin de contribuer positivement à une meilleure structuration du financement du développement de notre pays. Chers participants, personne, mieux que vous-même, ne saurait diagnostiquer les maux qui minent le système statistique national et préconiser les remèdes adéquats. Vos travaux gagneraient donc à aboutir sur les recommandations réalistes et pertinentes dont la finalité sera de changer de manière positive l'environnement statistique au Congo. La 32e édition de la Journée africaine de la statistique est célébrée sous le thème « Renforcer les systèmes de données en modernisant la production et l'utilisation des statistiques agricoles, comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience de l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique ».